Bonjour, je m'appelle Carole Morancy, je suis la fondatrice de Yogatoo. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous guider aujourd'hui dans cette capsule de yoga musical en compagnie des musiciens de l'Orchestre symphonique de Laval. Je vous invite, nous vous invitons, à vraiment profiter de cette pause à la fois sensorielle et auditive. Bonne pratique. On va s'installer par terre. Prenez une posture assise confortable. Vous pouvez placer un bloc ou un coussin. On veut la colonne longue, le dessus de la tête vers le ciel. Placez la main gauche en Chin Mudra et la main droite, soit vous faites Vishnu Mudra ou une pince. C'est à votre goût. Nous allons faire la respiration alternée. Alors, on y va. Inspirez profondément, lentement. Fermez la narine droite. Expirez à gauche en 4, en 3, en 2, en 1. Inspirez en 1, en 2, en 3, en 4. Fermez. Expirez en 4, en 3, en 2, en 1. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez. Expirez gauche, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez. Expirez droite, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez la narine droite et expirez cette fois en 8, en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez doucement, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez, expirez, 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez la narine droite, expirez gauche, Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez. Expirez droite, Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez. Expirez. Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Dernier cycle. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez. Expirez. Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4. Om 3, Om 2, Om 1. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez. Expirez, Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Doucement, relâchez la main droite. Ramenez le pouce et l'index ensemble. Et observez les effets du souffle sur votre corps, sur votre esprit. Et ouvrez les yeux.
On va prendre une posture debout. Si vous avez un bloc, on va l'utiliser. Vous pourriez prendre un dictionnaire ou un livre. Les pieds sont parallèles. Les gros orteils se touchent. Les jambes sont engagées. Les fessiers vers le sol. On va prendre la posture de Tadasana, posture de la montagne. Les paumes contre le bloc. Serrez très fort. Inspirez. Les coudes sont complètement dépliés ici. Et doucement, les bras au-dessus de la tête. Descendez les épaules, mais allongez les côtés de la taille. Respirez lentement, profondément. Les pieds s'enfoncent dans le sol. Pressez la base des gros orteils dans le sol. L'intérieur des talons, l'extérieur des talons, la base des petits orteils. Continuez à respirer. C'est une magnifique posture pour bien aligner le squelette. Et tout doucement, relâchez. Posez votre bloc. Et on poursuit avec la salutation au soleil, pieds parallèles, le corps bien long. Inspirez, tirez les bras vers le ciel en vous rappelant le mouvement précédent. Expirez, plongez à partir des hanches. Inspirez, dos plat. Expirez, pliez les genoux. Reculez la jambe droite en inspirant. La jambe gauche. Avec les genoux au sol, ou pas, on expire les coudes vers l'arrière. Allongez le dessus des pieds, inspirez cobra. En passant par les orteils et les genoux, expirez Adho Mukha. Profitez-en pour bien étirer le dos. Inspirez, soulevez les talons. Marchez le pied droit devant. Respirez, expirez le pied gauche, inspirez dos plat, expirez plongez, poussez dans les pieds, inspirez en vous soulevant à partir des hanches jusqu'en haut, regardez entre les mains, expirez, ramenez les mains au cœur, Samasthiti. Inspirez, Tadasana, les pieds s'enfoncent dans le sol, les bras s'étirent vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Fléchissez les genoux. Inspirez le pied gauche derrière. La jambe droite. Avec les genoux au sol ou pas, expirez, Chaturanga. Allongez le dessus des pieds, inspirez cobra. Expirez, chien tête baissée. Respirez profondément. Ressentez bien l'étirement. Inspirez, soulevez les talons, fléchissez les genoux. Marchez le pied gauche. Un bon étirement. Expire, pied droit. Inspirez, dos plat. Expirez. Si le dos est sensible, fléchissez les genoux. Inspirez, Tadasana. Expirez, Samasthiti. Inspirez, Tadasana. Expirez, Uttanasana. Et c'est comme une danse fluide. Inspire. Expire. Laissez la musique vous guider. Inspirez la jambe droite derrière. La jambe gauche. Retenez le souffle ici. Expirez, Chaturanga. Allongez le dessus des pieds. Inspirez, roulez les épaules, cobra. Expirez, Adho Mukha.
Respirez profondément, laissez le dos s'étirer. Attention de ne pas laisser les côtes ressortir. Respirez. Prochaine inspiration, soulevez les talons, fléchissez les genoux. Marchez le pied droit devant. Et marchez le pied gauche. Inspirez dos plat. Expirez penché. Poussez dans les pieds. Inspirez jusqu'au ciel. Expirez les mains au cœur. Inspirez Tadasana. Expirez Uttanasana. Inspirez dos plat. Expirez plongée. Fléchissez les genoux. Inspirez pied gauche derrière. Pied droit. On retient le souffle une seconde. Expirez Chaturanga. Les jambes s'allongent. Inspire Cobra. Expire, Adho Mukha, chien tête baissée. Petite pause pour bien s'étirer, les paumes pressent dans le tapis. On allonge les bras. Inspirez, soulevez les talons, fléchissez les genoux, marchez le pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez dos plat. Expirez plongée. Poussez dans les pieds. Inspirez jusqu'en haut. Expirez Samasthiti. Encore une série. Inspirez Tadasana. Expirez Uttanasana. Inspirez dos plat. Expirez, fléchissez les genoux. Inspire, jambe droite derrière. Jambe gauche. Expirez, genoux au sol ou pas. Inspire, couvre. Expire, Adho Mukha. Pressez l'intérieur des pouces et des index. Allongez, étirez les aisselles. Inspirez, soulevez les talons, regardez entre les mains. Pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez. Poussez dans les pieds, inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez, Tadasana. Expirez Uttanasana. Inspirez. Expirez, pliez les genoux. Inspirez, jambe gauche. Retenez le souffle avec la droite. Coude vers l'arrière, Chaturanga. Si jamais vous êtes fatigué, prenez une petite pause au son de la musique. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Et c'est notre dernière salutation. Profitez-en pour bien vous étirer. Inspirez, soulevez les talons, regardez entre les mains. Pied gauche devant. Pied droit. Poussez dans les pieds, inspirez jusqu'en haut. Et relâchez. Respirez lentement, profondément. Rendez l'expire de la même longueur que l'inspire et laissez votre cœur se calmer. Et on va poursuivre avec la posture du triangle. On revient dans notre posture de la montagne. Pliez les genoux. Reculez la jambe gauche. Une bonne jambe. La jambe droite est bien étirée. Soulevez le pied. Ramenez tout le devant du pied au sol. Inspirez, allongez les bras. Allongez jusqu'au bout des doigts.
Expirez, tirez-vous vers l'avant. Ramenez la main sur le tibia et la main gauche sur le sacrum. Ouvrez la poitrine. Ouvrez l'épaule gauche vers le ciel. 5 respirations ici, lentes, profondes. Le dos bien long. Pensez à creuser la hanche droite. Puis inspirez, allongez le bras droit. Redressez-vous. Expirez. Fléchissez le genou et avec un grand pas, ramenez le pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez. Inspire, dos plat. Expire. Poussez dans les pieds. Inspirez. Et expirez. Fléchissez les genoux. Et cette fois, on recule le pied droit. Talon gauche dans l'arche du pied droit. Inspire, on allonge les bras. Et tirez jusqu'au bout des doigts. À l'expire, creusez la hanche, creusez la hanche, creusez la hanche. Ramenez la main gauche sur la jambe, la main droite sur le sacrum. Tournez la poitrine vers le ciel en continuant d'allonger le côté gauche. Respirez. L'aine gauche creuse un peu plus. Les jambes sont bien engagées. Encore une inspiration, puis allongez le bras gauche, étirez-vous, étirez, et on va ramener le pied droit. Inspirez les bras vers le ciel, expirez, inspirez dos plat, expirez, poussez dans les pieds, inspirez vers le ciel. Et expirez. Deuxième posture, plie les genoux. Recule la jambe gauche un peu plus loin cette fois. Notre genou vient au-dessus de sa cheville. On fait bien attention de garder le genou vers le petit orteil. On inspire, on allonge les bras. Ramenez les épaules au-dessus des hanches. Et ensuite, on s'étire vers l'avant le plus possible. Ramenez le bras droit sur la cuisse. Éventuellement, on voudrait la cuisse parallèle au sol, mais ce n'est pas essentiel. On allonge le bras gauche sur l'oreille et on étire de l'extérieur du pied gauche jusqu'au bout des doigts. La poitrine s'ouvre, mais les côtes restent bien fermées. On respire, on repousse. Vous pouvez regarder au-dessus de votre pied pour vous assurer que le genou est bien placé. Prochaine inspiration, poussez dans le pied. Redressez-vous. Fléchissez le genou et vous pouvez ramener le pied en deux fois. Bougez un peu. Inspirez vers le ciel. Expirez. Inspire dos plat. Expire. Petit mouvement de transition. Pliez les genoux et on va reculer la jambe droite cette fois, un peu plus loin. Pliez le genou au-dessus de sa cheville. Bien important. Inspire, on allonge les bras. On va déplier, replier, déplier, replier.
juste pour bien sentir le mouvement dans la jambe qui s'en va. On ramène l'avant-bras sur la cuisse. Inspire le bras droit. On étire. On allonge de l'extérieur du pied droit jusqu'au bout des doigts. On pousse dans l'avant-bras pour ouvrir la poitrine. Trois respirations lentes et profondes ici. Inspirez, revenez, allongez le bras. Expire et en deux petits pas, on revient. La chaleur monte. On inspire vers le ciel. Expire, on penche. On va aller vers le sol. Donc, on va inspirer. Expirer, plier les genoux. Reculer la jambe droite, la jambe gauche. Fléchissez les genoux. Tout doucement, revenez au sol. Allongez le dessus des pieds au sol. Faites même soulever un peu les jambes pour les étirer. Ramenez les mains sous les aisselles. Ou je devrais plutôt dire sous les épaules. Inspirez, cobra. Respirez profondément ici. Tout doucement. Respirez. Expirez. Prenez une petite pause. Ramenez la joue sur vos mains. Gros orteils se touchent. On respire. Allongez les pieds de nouveau. Front au sol. Ramenez les mains derrière le dos. Entrelacez les mains. Étirez les jambes vers l'arrière. Essayez de rapprocher les aines du plancher. À l'inspiration, laissez la poitrine se soulever. Les bras tirent vers l'arrière. On va respirer ici profondément. Quelques respirations et doucement. Ramenez les mains, faites un oreiller de l'autre côté. Gros orteils se touchent, les talons se séparent. Imaginez que vous amenez votre souffle dans le bas du dos. Sous les épaules. Fléchissez les orteils. Inspirez, venez à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, dos rond. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, dos rond. Croisez les jambes, en fait, croisez les chevilles et on va reculer. Passez les jambes devant. Venez vous allonger sur le sol. On va faire une dernière petite posture avant la relaxation. Les mains le long du corps. Les pieds un peu vers l'intérieur. Prenez une grande inspiration. Soulevez le bassin. Poussez dans vos bras. Expirez, ramenez au sol.
Inspirez, poussez dans les pieds, soulevez les hanches. Expirez. Puis, ramenez les genoux dans la poitrine. Serrez les genoux contre vous. Et bercez-vous doucement, droite, gauche, gauche, droite. Quand vous êtes prêt, venez vous allonger sur le dos pour la posture de relaxation. Les jambes séparées. Les bras à 45 degrés du corps, paume vers le ciel. Laissez-vous aller. Laissez le corps devenir lourd. Et c'est vraiment dans la détente que votre corps va intégrer tout le travail qu'on a fait aujourd'hui. Ramenez votre attention à votre pied gauche, puis aux gros orteils du pied gauche, au deuxième orteil, au troisième orteil, au quatrième et au cinquième. Puis, à la plante du pied et au-dessus du pied. Déplacez votre attention maintenant au pied droit, au gros orteil, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. Puis déplacez votre attention dans la plante du pied, le dessus du pied. Amenez votre attention à la cheville gauche, puis à la cheville droite, au mollet gauche, au mollet droit, au genou gauche, au genou droit, à la cuisse gauche, à la cuisse droite. Amenez votre attention à la fesse gauche, puis à la fesse droite. Et l'attention se déplace dans le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos. Ramenez l'attention à l'abdomen, à la cage thoracique, à la poitrine. Puis ramenez l'attention à la main gauche, au doigt, à la paume de la main gauche, au dos de la main. Puis ramenez votre attention à la main droite, au doigt, à la paume de la main droite, au dos de la main. Puis au bras droit, au bras gauche, au coude gauche, au coude droit. À l'épaule gauche, à l'épaule droite. Déplacez votre attention sur la nuque, puis sur la gorge. Continuez avec le cuir chevelu, la joue gauche, la joue droite, l'œil gauche, l'œil droit, le front. Et vous êtes totalement détendu, calme, tranquille,
et vous goûtez à ce calme, à cette tranquillité. Et en conservant ce calme intérieur, dont les bienfaits vont durer longtemps, même jusque dans votre nuit, commencez à bouger les doigts, à bouger les orteils, et étirez-vous. Ramenez les genoux dans la poitrine. Bercez-vous gauche-droite, droite-gauche. Puis tournez-vous sur le côté droit. Prenez quelques respirations. Et avec beaucoup de lenteur, en vous aidant avec les mains, et la tête sera la dernière partie à se relever, venez prendre une posture assise. Joignez les paumes devant le cœur et formulons le souhait que nos cœurs soient en paix, que nos esprits soient en paix et que nos paroles soient paisibles. Je vous invite à vous joindre à moi pour un Om. Inspirez.